profil de page. 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 Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de quoi tu apprécies voir Choa, c'est profil des pages qui entre la carrière de Brun Fela ça. Avec Zamio, serviteur Anglade Jérôme, mais pas oublier réalisation faite avec le producteur nous, Maslin Jérôme, c'est lui qui fait conception sur ça. Mais nous voulons de manière toute particulière saluer un ami qui a longtemps milité dans le domaine des médias ici aux États-Unis. Et ses amis ça qui fait lien entre moi-même et Maslin. Ni moi ni Maslin Jérôme, c'est comme mon frère lié, Hugues Grenal Lubin, que nous saluons qui est dans Boston, qui est un mouvement Haïti pour la paix, qui a essayé comment les cas aider la paix rétablie, mais nous connaissons, comme je dis, que l'éducation c'est un groupe pas lié dans notre société, et bien, à travers l'organisation ça, mais Hugues Grenal Lubin, toute équipe, li, a collecté l'argent pour comment avoir Timoun qui va gagner moyen l'école en Haïti, en question pour permettre que Timoun yo gagne au niveau pour apprendre nos professions. Hugues, bon travail. Toute équipe profil des pages à saluer, Maslin Jérôme, Anglade Jérôme, toute équipe là vraiment saluer. Et d'autant plus, on fait partie du profil des pages. C'est sûr que bientôt, on a bien avec nous sur le plateau pour venir parler de grand travail ça qu'on a fait à travers le mouvement pour la paix. Et bien, nous connaissons ça qui domine l'actualité pendant toute semaine, c'est l'interpellation Jean Rissien dans deux branches de parlement. Coup de théâtre que Chambre des députés a réussi la donne. Nous allons essayer d'analyser avec vous et de comprendre comment la situation est, pour qui ça, c'est quand ça, ça finit. Nous allons essayer de comprendre tout ça, pas déplacer, pas oublier que chaque vendredi, vous avez rendez-vous sur Channel 20, Kebovision, midi, boule, profil des pages, avec toute l'équipe là, Zamou Anglade Jérôme dans la présentation, hein, réalisation en Maslin Jérôme, et toute l'équipe qui travaille pour aider à comprendre ce qui a passé et sans oublier que nous avons Smiley Taxis. Qui fait toute taxe ou qu'on est, ou qu'il y a problème taxe, ou qu'il y a. Et au tal, on compte déjà pas de cabot service, dès que vous venez dans Smiley, tout à fois après régler, il y a fait tout ça pour faire pour vous, on compte de bon mauvais report, pour qui vous de ça. Il y a Bjero. N'a pas de premier poste là, n'a pas de tout de suite. Zami Pam, qui a fait gros somme comme ça? Pas de problème qui n'a pas de solution, non? Saison taxe l'arrivée, pas vrai? Pas quitter pièces, moun prenne tout fort comprendre, pour capable faire plus l'argent, c'est pas vrai. Pas rentrer comme la magouille. Al consulter yon expert. Yon expert qui qualifié. Non, li c'est Frank Bonhomme. Smiley Tax Service. Frank Bonhomme a tout l'autre expert qui travaille avec yo. Campé bon côté communauté à tout temps. Yon ouvert porte pendant toute année. Yon travaille pour aider communauté à. Frank Bonhomme a lancé séminaire. La l'école pour capable comprendre la loi sous affaire tax fraud dans le pays pas bon ici. Yo fait real estate, yo réglé ca immigration, yo fait payroll, assurance tout. Tout monde qui pas satisfait, qui j'en taxe ont été faites yon l'autre côté, côté le Smiley Tax Service, y a gardé, y a corrigé le pour gratis ti chéri. Yo fait rapide refund dans 24 heures. Et bien adresse yo c'est dans 237-33 Jamaica Avenue Belle Rose New York. Téléphone yo c'est 516-673-4677. 516-673-9767 ou pour checker avec Olan web là www.smileytax.net. A gen problème qui pa gen solution nos amis. Smiley m'a pris tout temps. De retour après la pause et nous dit tout le monde merci. Certainement m'a gen nan nou ki m'konn ba yo déjà qui t'a pran ti de l'eau ou bien on m'a dit pour un verre de vin. Pour une chita, pour une vin, ensemble avec vous, Zami, Anglade Jérôme, et pour une vin commenter l'actualité pays d'Haïti avec vous. Et bien, je dis, après, on a parlé là, pendant toute semaine, ça qui fait essentiel l'actualité, c'est
révocation par chambre députée à de Jean-Henri Séan, qui est actuellement pas premier ministre encore, qui est remplacé par Jean-Marie Lapin, Jean-Michel Lapin, qui c'est ancien ministre, qui était ministre culture, qui est toujours ministre culture, qui est remplacé lui. Alors, on essaye pour comprendre ce qui s'est passé en fait. On a rappelé que en 2018, à la faveur des événements 6, 7, 8 juillet, nous songez, côté gros soulèvement populaire, ça a été fait en pile market, en pile centre commercial, en pile côté acte de vandalisme, on a pillé, écrasé, brisé. Donc, le gouvernement est souqué. Puisque le gouvernement est souqué, eh bien, monsieur a commencé à réfléchir sur ce qui s'est passé. Mais monsieur Petro Challenge a mobilisé les gens sur Internet, sur les médias sociaux, manifestations un peu partout. Le gouvernement sentit que quelque part, il fallait une réponse. Eh bien, puisqu'il fallait une réponse, eh bien, c'est à ce moment qu'il a commencé à. Parce qu'on est dans le jeu démocratique, là, qu'on va y gagner. Les gens, nous avons un exécutif qui est bicéphale, qui a deux têtes. Il y a un président de la République qui lui-même, c'est au niveau de la présidence. Il y a un chef de gouvernement qui est premier ministre, qui est en primature. Eh bien, généralement, dans le jeu ça, qui gagne dans le système ça, qui est bien implanté, les gens, situation comme ça, fusible par l'autre monde qui est premier ministre, c'est les pour sauter. Eh bien, c'est comme ça, tu as un docteur Jacques Guy Lafontaine qui a un bon rapport avec Jovenel Moïse, on se le rappelle, monsieur c'est deux compères, Jacques Guy Lafontaine, j'aime vraiment parler, il a toujours laissé son boulevard à président Jovenel Moïse pour toujours mettre devant, parce que le président aimait ça. Le président Jovenel Moïse aimait les gombagas en événement pour celui qui apparaît, pour celui qui promet, il aimait ça. Et effectivement, Jacques Guy Lafontaine, il se passe ça. Maintenant, situation est obligée que il était coupé tête, puisque c'est mot généralement, parlement toujours utilisé, coupé tête premier ministre. Et mais c'est à ce moment, parmi les noms qui t'a cité, Jean-Henri Séan, un notaire de profession, et bien, en pile monde connaît comme un monde j'ai dit dans la société qui a un ancrage dans tout secteur, c'est-à-dire qui parle à tout le monde. C'est une bagarre qui est en faveur Jean-Henri Séan d'ailleurs qui fait que le parlement a choisi. On ne pas oublier 17 septembre 2018, 84 députés, 21 sénateurs ont voté Jean-Henri Séan. Attendez bien le chiffre là. 17 septembre dans l'investiture et Jean-Henri Séan, et à la faveur de vote là, au niveau du Sénat de la République, 21 sénateurs, au niveau de la Chambre des députés, 84 députés, en tout bail, premier ministre Jean-Henri Séan, qui était ministre d'alors, eh bien, vote de confiance qui vient faire le premier ministre. Maintenant, Jean-Henri Séan, dans quatre discours d'investiture, il promet que le bras le fait empêcher. D'ailleurs, c'est ça, tout le premier ministre a toujours fait. Il a toujours présenté politique générale, lui, etc. Blablabla. Nous connaissons l'histoire déjà. Mais pas oublier, pour aller gagner premier choc en deux têtes exécutives, c'est le président Jovenel Moïse confié à Jean-Henri Séan une mission pour le mener, pour essayer de parler à tout secteur pour venir faire s'ouvrir le dialogue national là. Maintenant, Jean-Henri Séan parle à plusieurs secteurs. Dans le Caribbean Convention Center, il y a une rencontre qui a été faite. Côté Jean-Henri Séan, il a réuni la majorité dans le secteur économique, secteur populaire, secteur culturel, etc. Mais Jovenel Moïse, en tant que président de la République et son équipe, au niveau palais national, ils n'ont pas satisfait de démarche Jean-Henri Séan pour la simple bonne raison parce que Jean-Henri Séan n'a pas arrivé à mener sous table là. L'aile dure de l'opposition. On a parlé de l'aile dure de l'opposition, on a parlé des mondes comme André Michel, des mondes comme Moïse Jean-Charles, des mondes comme Marjorie Michel, des mondes comme le sénateur Valier Beauplan, des mondes comme le docteur Chile Ludor, des mondes comme Assad Volsi. Donc, il y a une aile dure de l'opposition qui est jurée que par le départ du président de la République. Maintenant, le fait que Jovenel Moïse présent, et nous avons gardé l'image en compte, parce qu'on le dit assez souvent, une image vaut mille mots, nous avons gardé et ta expression visage président de la République là, nous sommes noter facilement que le président de la République là, on parle de Jovenel Moïse, n'était pas satisfait. Maintenant, Jovenel Moïse, dans le discours là, dit carrément en présence de son premier ministre, Jean-Henri Séan, qui était premier ministre alors, que l'est pas satisfait de rencontre là. Maintenant, équipe Jean-Henri Séan, monté radio, il y a une réponse là, une porte-parole Jean-Henri Séan monté dit que lui-même au nom du premier ministre il déclarait que le premier ministre Jean-Henri Séan n'est pas satisfait de la soi-disant insatisfaction du président de la République. Dès lors, public est connu une guerre qui déclarait entre les deux branches de l'exécutif. C'est-à-dire là on parle du premier ministre Jean-Henri Séan et du président de la République. Nous commençons à faire
moun la presse commence à relater ça qui a passé yo. Opinion publique là partager des moun a dit oui c'est vrai, d'autres a dit c'est pas vrai, mais l'été commencé montrer que visiblement il y a un problème entre deux têtes exécutives là. Maintenant ça va continuer. Le clou dans tout ça pral gagner eh bien yon l'autre événement qui pral vini compliquer bagay la davantage. C'est à question mercenaires, nous songer 17 février dans la soirée un dimanche côté dans les parages de la BRH police au niveau de l'air métropolitain là on parle de Port-au-Prince côté et bien monsieur yo arrêté un paquet de jeunes garçons qui était au nombre de 8 selon ça que te dit au départ qui gagnent des armes lourdes en main yo gagnent téléphone intersatellitaire yo gagnent un paquet d'armes dans mes temps que les monde va le faire guerre ou bien on va le faire invasion dans pays et mais car commissaire cassé jusqu'ici c'est commissaire Port-au-Prince arrêté yo. Ça te kembe actualité à nan niveau Port-au-Prince international que national. Jacqueline Charles de Marmirade commence à écrire sur lui, le nouvel ça écrit tout média ont été mobilisés besoin de quoi il en est exactement pour joindre des étrangers pour la plupart c'est des Marines qui retraités des monde qui au niveau États-Unis il y a des compagnies etc mais qui viennent en Haïti non mission que personne ne connaît monsieur Kebio au niveau commissaire à Port-au-Prince et mais quelques jours plus tard pour aller gagner sur les transferts monsieur vers les États-Unis d'Amérique mais bien avant il y a une autre version qui a bail parmi versions il y a le premier ministre l'ancien premier ministre Jean-Rissien qui laisse acte premier ministre fait déclaration dans niveau média international bien entendu il pas de média local lui interview là on parle de médias qui plus connus par exemple TNH etc Caraïbes Radio Télévision Caraïbes Radio Télé Guinée etc mais il t'est parlé avec médias internationaux dont CNN côté premier ministre là, dit sans langue de bois que ce sont des terroristes qui étaient venus dans souci pour assassiner il t'est même bas et précision pour dire que de dans tête BRH là étant que il était facilement carré bureau dans niveau primature là donc n'importe monde qui gont zame qui gont l'emporter car abattre facilement et que lui il disposait d'informations qui te fait le croire que mais monsieur était venu pour éliminer et avec un paquet l'autre membre de l'opposition maintenant version ça en pile dans monsieur opposition prend mais t'as pas gagné de notre côté Maurice Jean-Charles qui t'as pas vu dans version côté c'est la BRH qui vient casser mais bien avant Maurice Jean-Charles il y a eu aussi l'un des conseillers juridiques du président de la République, on a parlé de Maître Renaud Georges, qui lui-même tout est allé dans le même sens avec l'idée petite de Saline Maurice Jean-Charles pour dire que, eh bien, M. Sao est venu pour casser BRH. Il y a eu la tortue, allé dans le même sens avec le Premier ministre Jean-Rissien. On n'a pas qu'être membre, il va lire beau plan qui n'a pas allé dans le même sens. Donc, tellement il y a une version qui a baillé de dossier, d'autres membres du gouvernement a parlé au même de des monde qui étaient venus en mission, c'est un compagnon qui était venu pour te sécuriser BRH. Donc il y a eu tellement de versions que en fait, il était venu créer une sorte de diversion, pas gain personne qui te connaît sa histoire en fait. Maintenant, l'on a regardé interview ça que ancien premier ministre Jean-Rissien t'a bas avec CNN, mais journaliste là, mais pas seul CNN, il y a d'autres journalistes tragiques t'a posé la question, mais gain une interview, côté journaliste a posé la question. Parce qu'on a vu un enseignant très à l'aise, ou un enseignant qui, pendant le pays, a sorti dans une situation qui est vraiment chaotique, et qu'on a senti un premier ministre qui était assez confiant. Et aux journalistes étrangers de lui poser la question, « Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on pensait que le président peut ?» Le Premier ministre répond, « I don't know. » Mais on a regardé avec ton Premier ministre, c'est comme si lui-même, côté de Chita, il est très assuré, il dit pas qu'on est si oui ou non président peut. D'ailleurs, même dépenser, l'aime t'a regardé ça en tant que monde qui a fait émission, en tant que leader d'opinion, en tant qu'analyste, qui a analysé la situation, moi-même t'ai dit que c'est une erreur de la part du Premier ministre. Parce que, grand exécutif qui est de tête, on te pose la question, est-ce que ton président, parce que Pablo est son collaborateur, est-ce que ton président a peur, ou t'es supposé dire, non mais, quelle idée? Pourquoi le président aurait peur? C'est ça pour CNT répondre. Pourquoi le président aurait peur? Ou pas de bien pour dire, I don't know. Parce que vous êtes une équipe, ou même à présent nous constituons une équipe. Dès lors, il était confirmé qu'effectivement, malaise a grandi entre deux grandes autorités dans l'exécutif. Là. Maintenant, ça n'a pas continué. Jean-Rissien a fait monter descendre dans le niveau gros supérieur de compte et conscience administratif, mais chaque l'aile brandit dossier Petro-Caribia, pour certains,
puisqu'elle te gétan déclaré qu'on gon malaise entre séan et président de la République là, à chaque fois que premier ministre a parlé dans la presse et que l'a abordé question dossier Petrocaribia, en pile monde est senti que c'est comme on menace la brandi sous exécutif là, sous présidence là qui sont l'autre branche exécutif là. Maintenant tout le monde a suivi côté ça après aller. Son bagage a grandi entre deux messieurs, mais tout le monde a senti odeur ça cap dégager, il est pas bon pour la République. Et bien c'est comme ça bagage a continué. Séan Kounya mandé ministre et la justice là pour le porter un rapport détaillé parce que les transférer mercenaires yo songer yo quitté haïtien en Haïti, yo quitté en prison et yo transféré étrangers aux États-Unis d'Amérique. Nous songer que monsieur ça passé, nous t'a gardé majo dans un vol commercial très à l'aise, checké dans immigration comme si c'était des simples voyageurs. Yo chita même j'ai tout le monde, yo monté avion à bord d'un avion qui gagnait toute civile la donne pour comme si c'est comme si de rien n'était. Mais image prouvé que pas de bien qu'une charge vrai parce que gouvernement haïtien pas de vrai monsieur ça aller aux États-Unis d'Amérique avec aucune charge contre eux. C'est comme des cadeaux, c'est des monde qui étaient venus, étaient venus avec exam, pas un problème. Pas un problème du tout que de venir exam. Puisque c'est puisque tonton ça mandé aux États-Unis d'Amérique mandé eux, donc monsieur tout blanchi. Maintenant, c'est un lui-même ancien premier ministre hein, qui peut-être par rapport avec évolution de situation hein, qui sentit que déclaration première que le défait a pas concordé avec Jean dénouement situation hein, et à lui de changer de position pour le dire, mais il était trompé, c'était une hypothèse que l'elle était pas laissé des théories qui devaient attaquer lui, c'est une hypothèse. Eh bien, situation continue corser en pile monde du côté de la présidence que du côté de primature là a fait va-et-vient, on a shooté sous l'autre, c'est comme une guerre froide qui déclare dans deux têtes, dans deux branches exécutives. Maintenant, dans le discours après pays lock là, il y a eu des discours. D'abord, le président de la République l'a parlé. Et ensuite, le premier ministre Jean-Henri Séan. Mais dans le discours, le président, il était remercié publiquement international là. Alors, on peut poser une question. Qui ça président le dit, là on parle de Jovenel Moïse, quand il a remercié l'international. Qui genre de support, bien d'apport international à la Tibet, puisque nous sommes dans plusieurs pays, là, il n'y a pas trop quelqu'un président de l'international. Donc, question ça a été déjà arrêté, il y a un point d'interrogation. Maintenant, le premier ministre est venu, il vient proposer les 12 mesures que le gouvernement prend. Parmi eux, réduction des dépenses d'État de 35%. Parmi eux, la fête du RIA, qui c'est une, dans le panier de la ménagère, ils prennent ensemble de 7 à 8 et aliments que en Haïti, Haïtien mange plus, puis ils agissent pour faire baisse des prix. Hein. Mais maintenant, puisque du RIA, c'est comme l'hymne des cadeaux, c'est l'hymne national de pays, hein, donc dans tout foyer, dans tout côté, ils mangent du RIA. Donc, c'est éléments qui, en tout cas, c'est aliments qui mettent en première position. Et bien, gouvernement, par le biais de Jean-Henri Séan, premier ministre, alors, t'es annoncé que va réduire le prix du riz de 50 gourdes à 35 gourdes. Maintenant, de là, annonce faite, en pile, on tape tant de résultats pas bail, et t'as pas le gain des changements. Et changements, ça va se mener avec tout ce qu'on est par la suite. Nous allons chiter avec auprès d'eau, bien comprendre. Mais nous connaissons entre temps, nous faisons bon petit parler, ou prenons besoin de petit pause, soit pour mettre plus confortable, soit pour prendre de l'eau, soit pour prendre un verre de vin, soit pour prendre un cola. Eh bien, restez là, pas déplacé, n'a pas retourné. Depuis quelques temps, tout fanatique cinéma a dit que le cinéma mourit en Haïti. Il mourit dans la diaspora tout parce que les gens regardent des films, en pile fois, il y a des gens qui prennent une caméra, qui mettent des gens dans 4 nuits, qui filment. Mais nous connaissons mon bagage, nous aimons mon bagage. Et nous connaissons les gens qui ont des talents. L'un des talents, c'est comme ça pour nous supporter. Moi-même, en Gladio, m'invite à nous suivre W et Conséquences. W Conséquences, sont une belle histoire qui est bien charpentée, qui aide nos jeunes voûtes, nous, des acteurs qui sont bien expérimentés, qui connaissent sa affaire, et un producteur qui connaît, respecter toutes les règles cinématographiques. Pour aller à une présentation qu'a faite le 14 avril 2019, dans le Caché Restaurant, 2192, Flatbush Avenue, dans New York, pas raté. Moi, je dis encore, pas raté. Parce que là, on va venir en famille ou pas pour regretter. On va après enfin. Et mais gagner des talents toujours. En Corée, producteur Maslin Jérôme, qui a fait un gros travail dans le domaine cinéma. Pas oublier, rendez-vous par l'autre. Le 14 avril 2019, nous tous dans 2192 Flatbush Avenue, dans New York,
vin suivre double vie et conséquence. Une très belle histoire. Yon bien monté, bien charpenté, acteur. Et qui t'aime dire, non, moi j'espère que je vais partager avec nous bien entendu. Le masque de Jérôme, je me dis, mon chien, glade, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais même pas avant, rien que, pas avant qu'un produit que je ne sais pas. C'est ainsi que, après-midi, je viens dans la base masque, je viens de chez moi, je film. C'est une très belle histoire. Une histoire qui a fait nous prendre route. Une histoire de tous les jours. Une histoire que chaque grain que nous parlons de là, a senti, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes venus, nous sommes proches, nous sommes venus, nous sommes familles. Nous avons senti un bagage d'une histoire qui kembe nous en haleine. Nous avons senti quand même, quelque part, nous sommes satisfaits. À l'encourager œuvre ça, à l'encourager film ça parce que sont très bons, ont très bonne réalisation de Martin Jérôme. Double vie conséquence, non pas regrette. Acteur c'est pas acteur, nous on a regardé dans film qu'a répété, nous essayer li appeler non. Acteur c'est des acteurs qui viennent n'importe film. C'est moi même Martin Jérôme qui dit ça. À supporter encore une fois, pas oublier le 14 avril 2019, 21/92 dans Flatbush Avenue dans New York, place où c'est là lié. Faire réservation. Parce que la dernière fois que je suis venu à Queens, je ne vais pas mentir, je suis venu à l'état, pas de place. Pas de place ou non? Double vie conséquence, 14 avril 2019, 21/92 fois que vous avez vu dans New York, rendez-vous, c'est là. Pour réservation, vous pouvez appeler 347-705-81. Cherchez le restaurant, si vous voulez faire réservation, cachez le restaurant, car vous avez 347-705-81, cachez le restaurant, mais pas bien admission, $20. À la fois faire mon cadeau $20. Si on $20 qui a supporté en production, qui a fait ou senti le bon, à l'apporter. Et puis l'autre téléphone ou carré, Peter Bouchon, dans 917-468-5219. Pas bien Peter Bouchon. Dans 917-468-5219. Ou bien carré le Sylvestre, dans 347-539-6233. Ou bien même mon pour Léa, mon qui m'a m'en pas mettre à faire, c'est Marcelin Jérôme, producteur. 516-209-99-82. Je vais dire encore. 516-209-99-82. Pas oublier le grand rendez-vous. $20 à l'avance à 5h PM dans 21/92. Flatbush Avenue, mon Flatbush. Je dis non encore. Dernière fois, film ça a été fait dans Queens. Pas de place pour l'état d'intérêt. Relais faire réservation. Nous venez supporter. C'est 20 graines nous là. 20 graines nous là. Au lieu de la fin de la journée, d'après ce que je dis, on ne peut pas dire que c'est mon papa, à supporter la production nationale, supporter le local, supporter la caille, supporter le bagage qui est bon. Dans le cachet restaurant, pendant un jour dans le film, on a des qui sont mémis, qui s'élèvent, mon petit acra, mon petit banane fusil, petit gros, regardez mon petit gros. Oui. Et mon temps, on a même gardé l'autre, déposé l'embouchure, et comme ça, on a doucement à cause. Pas oublier 4 la plaine d'ailleurs, pendant là, pas fait ce cadeau, quand tu dis venir, prenez votre sauvée et puis nous devons mener qui est assez célèbre, qui est très délicieux. Rendez-vous par l'autre, c'est le 14 avril 2019 à 5h PM dans 21/92 Flatbush Avenue dans New York. Eh bien, $20 là seulement, double vie conséquence, yon projection pour pas rater sous aucun prétexte. Moi-même, ma place. Master Jérôme a plat, Shotson Boussico a plat, tout acteur a plat, mon qui besoin d'autographie, ou besoin de faire poster, faire photo avec l'acteur, n'a plat. Et mon petit bagage, dis-nous en plus, oui. Ou même qui connaît un talent, ah, ça, Master, pas de blé, me dit qu'on y a, parce que Master était vle, pour le faire, non, ça, pour qu'on y a, même prendre les vents. Ou même qui connaît un talent, qui cache dans le film, joue ça, ou a produit ça, Master Jérôme, la prend adresse nous, la prend téléphone nous, la prend rendez-vous avec nous, parce que par le casting très bientôt, pour un autre gros moment de film qui est venu, il y aura besoin de nouveaux talents, de nouveaux acteurs, ou même qui connaît, ou qui a joué, ou même qui connaît, un talent qui est assuré, et même moi ici, je vais mettre ce talent contre lui. Il va faire pour me payer pour passer dans le film. Ou pas négocier pour passer sans son besoin de ce talent. De vous venir à talent, vous venez à la fin du monde, ou dans le business. Maintenant, nous, pas oublier, rendez-vous ici. 14 avril 2019 à 5 h PM, 21/92, soit déjà venu à New York. $20 à l'avance, double vie et conséquence. Une prime production à ne pas rater sous le print ou le texte. M'attendons-nous. Ce que je te dis après avant de proposer, puisque nous avons fait analyse sur la situation qui t'a mené à révocation et en essayant par la Chambre des députés. Maintenant, avant Pozda, nous avons parlé justement de 12 mesures que Jean Essayant, Premier ministre, à l'époque, te prend
te annonce que le pral prend réduction de train de vie l'État, réduction de 35% de tout ça qu'a fait en termes de dépenses. Et il t'a même parlé de prix du riz que tu as pas passé à l'époque, ça était de 50 gouttes de marmite là, pour le passer à 35 gouttes. Maintenant, les décisions qu'on prend, je suis avec un pile importateur de riz, eh bien, population, parce qu'on a senti des gens qui passent dans le marché, des gens qui disent oui, prix du riz est légèrement descendre, mais ce n'est pas tout à fait cela. Eh bien, tout appareillage, puis Mathieu là prend la riz, Josmin Jean-Baptiste a parlé, tout monsieur comprend, a parlé pour faire quoi que tu aies un bagage, mais en réalité, pas de gagner. Mais pas oublier là, on est sur le terrain de la politique. C'est des jeux d'intérêt. Jeux d'intérêt qui s'arrivent. Eh bien, de plus en plus, l'a confirmé, des groupes qui, en dedans par le national, commençaient à indexer le premier ministre Jean-Ricien comme monde qui t'a injecté l'argent sous béton hein, pour te chauffer l'arrière, pour te jeter Jovenel Moïse. Alors, pour qui ça? En plus, nous attendons dans la radio, nous attendons dans la presse, ou bien nous attendons dans la bouche des mondes qui sont proches de Jovenel Moïse, dont il y a un conseil juridique, Maître Renaud Georges, qui a parlé. Yo dou clairement que yo connaît yo gen information que Jean Rissier t'a injecté l'argent dans la rien. Alors, ou même capitaine de dit mais écoutez, pour qui ça un président qu'a choisi un premier ministre comme collaborateur pour le faire ça? Alors, moun qui parti de principe ça, parti de principe parce que au niveau de la constitution 1987 amendé, eh bien avant 3 premières années mandat président de la République là, quel que soit problème qui t'a gagné qui vous a fait président pour continuer mandat là, c'est le premier ministre qui a passé automatiquement comme président. Maintenant, confiant de ça, conscient de ça tout, en pile dans collaborateur immédiat Jovenel Moïse, à tort ou à raison, est-ce que disposer d'informations, ça, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Eh bien, il a rapporté par le président que Jean Rissien, aidé de frein dans le secteur et commerce en Haïti, ils ont investi de fortes sommes d'argent pour t'acheter les sociétés Jovenel Moïse. Et mes informations, ça allait comme entraîner de poudre. Et mais depuis lors, le divorce était consommé entre le président de la République et son premier ministre. Et mais c'est comme ça qu'elle a pris aller de mal en bas, la vacille était comme son bateau. Maintenant, jusqu'à ce que nous prenions entendre que au niveau du Sénat de la République, 9 sénateurs, dont Yuri Latortue, qui fait partie de lui, ils ont interpellé. Premier ministre, il va interpeller le gouvernement, s'il vous plaît. Il a interpellé le premier ministre, il a interpellé le ministre de justice, et puis il a interpellé d'autres membres du gouvernement, quoi qu'il soit au nom de toi. Il a interpellé pour une bonne rapport. Maintenant, la question de comment ça poser, pourquoi interpeller trois membres du gouvernement et pas tout le gouvernement tout entier? C'est un, Jean-Rissé en tant que premier ministre, il était pensé que si le Sénat avait fait un bagage, c'est à interpeller tout le gouvernement. Et bien, en pile monde t'a interprété, c'est comme quoi Yuri Latortue et son équipe, c'est-à-dire les 8 autres sénateurs, dont Don Kato, Yvalier Beauplan, etc., donc on est un groupe sénateur qui généralement face gouvernement, ils ont été interprétés selon ce qu'a dit, c'est parce que ils ont passé un vote de confiance. Un vote de confiance pour qui ça? Parce que, pas oublier, nous sommes dans une année électorale. Chambre députée a. Pour aller dans six mois qu'a venir là pas que chef député parce qu'il y a il va y avoir des élections pour renouveler son député après il y a l'autre tiers dans le Sénat qui pas là donc je vois que puisque il est visible que le premier ministre est en face et le président de la République là si il a accordé ils ont 6 mois en plus à Jean Rissien parce que selon la constitution dès qu'on interpelle le premier ministre et que il y a deux issues possibles. L'interpellé premier ministre, ce soit que au ballon vote favorable ou bien yon motion de censure. Ce ballon motion de censure, c'est-à-dire qu'il équivaut à révocation premier ministre et son gouvernement. Mais ce ballon vote favorable, c'est-à-dire ministre, premier ministre peut avoir 6 mois encore que le pape qui a interpellé le pape qui a venu devant le Parlement. Maintenant, Gary Bodo, président de la Chambre des députés, fait de lance mouvement, lui qui a par rapport avec l'interprétation que le fait de situation, des interpellations que Chambre Sénat a fait, hein? Pas oublier que l'interpellation Chambre Sénat a été faite pour le 20 mars, parce que vous connaissez que Jean-Rissien était en mission au Maroc, et bien il a le temps qu'il retourne à Port-au-Prince, et bien interpellé le 20. Voilà que Chambre députée a connu que le 17 mars, tu as fait exactement 6 mois depuis le nouveau gouvernement en fonction, parce que selon la Constitution, hein? Selon ce qu'a dit en dans parlement, le gouvernement fait monter, il y a 6 mois de grâce pour pas interpeller. Donc puisque 6 mois ça t'a coïncidé au 17 mars, donc monsieur Chambre député mettait le 18 mars 2019. Maintenant,
chambre députée a devancé Sénat. Et monsieur Sénat, par rapport à la situation, ça, c'est ça qui va le faire que quelque part, que l'opinion publique va le confirmer qui a Angui sous Roche. C'est ça qui va le faire que l'opinion publique va le dire que Gombaga est vraiment que ces 9 sénateurs qui ont interpellé le premier ministre, il y a quelques bagailles que tu as manigancé, c'est vrai. Immédiatement, ce député a fait ça, il a défoncé le Sénat. Maintenant, au Sénat de la République, de répliquer pour y mettre en interpellation le 18 mars à 0h du matin. C'est-à-dire depuis le minuit dans 18. Le premier ministre est de minuit jusqu'à 9h du matin, jusqu'à 10h pour le Parlement. Et le comble de tout ça, c'est que le premier ministre est venu, l'entrée dans le pays, l'Iran est entré dans le Sénat, bien avant, ménager qui a signé le bureau du Sénat. Ça, quand même, c'est choqué un peu le monde. Pour dire, bon, de toute histoire d'interpellation dans le Sénat, parce que ce n'est pas mal qui fait la première fois, nous songeons comment Jacques Edouard Alexis est passé. Qui ont été en vote de censure, nous songer comment Divier Pierre lui était passé. Qui va même venir, même parce que le directeur connaît que le Sénat, pas pour le ballon vote favorable. Nous ne songeons pas qu'à l'histoire auparavant. Maintenant, c'est pour la toute première fois qu'on a assisté un premier ministre qu'on a interpellé qui était aussi enthousiaste pour une interpellation. On ne va pas comprendre. Un premier ministre interpellé pour que ça le vienne bien avant ménager. Et, pardon, le comble dans tout ça, c'est parce que il y a une procédure qui vous fait là, dans cette interpellation. Il faut faire premier appel, là, appel nominal, là, qui doit être fait, et puis deux heures temps après, vous faites appel encore pour voir est-ce qu'il y a un quorum. Mais pendant tout appel nominal, ni premier ni deuxième, premier ministre, là, un gouvernement interpellé a supposé dans salon diplomatique dans le Parlement. C'est le fin de constater qu'il y a un quorum pour premier ministre apparaître. Maintenant, dans ce cas précis, premier ministre dans le Sénat, que en pile monde, et à raison d'ailleurs, te comprendre que le premier ministre s'est caché dans le cachet dans le Sénat. Parce que entre temps, pendant le premier ministre dans le Sénat, la chambre députée a lui-même te commencé la séance par là. Leur mandé, la chambre députée a constaté qu'il y a un quorum, et bien, jusqu'à la Sénat, parce que j'aime le quorum, bien que commence avant. Maintenant, là, à un moment là, c'est quand même. Même moi, en plus, on a pris de bagage ça. Bon, donc, producteur nous a pris la masse Saint-Jérôme, mais parce que l'IFE nous rivre, mais c'est l'aide pour payer nous. On a regardé M. Fépia tout dans le théâtre, il a fait institution, il a tenu comme dit. Bon, et pas même n'importe théâtre, parce que théâtre, c'est les gens qui ont joué sur scène, ils connaissent qui ça s'est demandé pour comprendre, pour monter une belle pièce de théâtre, qui s'est demandé en termes de jeu d'ensemble, en termes de coordination, etc. C'est, même c'est un théâtre de mauvais goût. Maintenant, quand la Chambre des députés, Gary Baudot, qui a pris des séances sans mandé, qu'on délégation à chercher séances dans le salon diplomatique là, et que séance est en retard dans le Parlement, malgré lien dans le Sénat, malgré par un quorum. Maintenant, au retour de monsieur, ils ont voté contre Jean Rissien, en motion de censure, pendant que Jean Rissien était dans le Sénat. Maintenant, ridicule là, pas de le camper là, de pas le continuer. Parce que quand nous voulons la vie de Jean Rissien, premier ministre, en fait, entre guillemets, parce que immédiatement, chambre des députés a voté, automatiquement tombé. Et bien, immédiatement, mon nouvelle la rentrée, deux ministres qui t'accompagnent, Jean-Yves, dont le ministre de Justice, ils ont tout de quitté PM dans Boukol. Ils ont levé, ils ont quitté PM dans. Ils ont dit, bon, PM, c'est fini. Les carottes sont cuites, ils ont quitté PM dans, ils ont levé, ils ont quitté pour contenir dans le Sénat. Maintenant, au premier ministre, qui se croyait encore premier ministre, l'irrelé. Il y a un juge de paix en dans le Sénat, vient constater à travers un procès verbal que lui, il était présent dans le cadre d'une séance d'interpellation au Sénat de la République et pendant que la Chambre des députés a lui-même tapé le bal, motion de censure. Maintenant, tout le monde a demandé, mais écoutez, c'est inédit, c'est pour me faire ça fête. Séance, Chambre des députés a fini, ils ont voté, 93 députés ont voté contre Jean-Yves. Soit j'aime te dire, nous, que pour le prendre investiture le 17 septembre 2018, c'est-à-dire l'année dernière, l'été gagné, vote favorable 84 députés, 21 sénateurs. Et maintenant, pour jeter le 93 députés, il y a seulement 6 députés qui votent contre, qui ne sont pas d'accord avec la motion de censure Balia, il y a 3 députés qui font abstention. Mais il y a une question fondamentale pour nous poser, fan profil des pages, parce que nous là pour nous comprendre. Nous allons poser cette question. Rémi Haïti, tu as 3 députés dans le Parlement, comment voter? Monsieur, nous avons posé une question sur ça, oui. Eh bien, 3 députés qui sont dans Rémi Haïti, selon
témoignage qu'Edler Jean-Philippe, qui est député Jacques Mel, il dit que trois députés ont passé au vote tous les trois leviers qui étaient ensemble. C'est-à-dire, au moins, ces trois députés de Rémy Haïti de Carité peuvent avoir gonflé six députés qui ont voté contre l'État, fait neuf au moins. Ils ont laissé la séance d'interpellation. Arrêtez-moi, ils ont dit ça. Ils ont laissé. Donc, c'est pour me dire que tout ça, pas oublier que le Sénat lui-même qui motive les députés devant pour l'interpellation, c'est besoin de connaître information sur la question mercenaire qui est transférée aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a un bagage qui a fait premier ministre après le premier ministre Caplalose. C'est parce que justement, non premier temps, il était déclaré question des terroristes qui étaient venus pour assassiner. Du haut de la Banque centrale, il a atteindre, il a abattu dans le bureau de l'imprimature. Non deuxième temps, il dit son hypothèse. Non troisième temps, il y a une séance dans le Sénat. Côté Jean-René, le sénateur, c'est Yuri la torture des sénateurs, ça a été rapporté par la presse. Et que Jean-René, il a posé ministre et Jean-Oudi à la question. Et qui c'est ministre de justice là, et bien Jean-Risséan, le jour où il n'y a pas de bien répondre, Jean-Risséan te dit, lui, il est solidaire de son ministre de la justice. Donc il devine faire que gon virement là que le monde ne peut pas comprendre. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'affaire? Ni le Sénat de la République là, à travers neuf sénateurs qui ont interpellé Jean-Risséan, et mais par rapport à la connivence qui a été avec certains sénateurs, avec Jean-Risséan, qui était plus proche opposition hein, que toute autre chose, eh bien, en pile l'autre sénateur, pas de bacquorum, parce qu'en pile là de pas de sentir à l'aise dans ce que tu as fait là, parce que pas de comprendre ce que tu as comme agenda. Si tout de même que Chambre Sénat t'a interpellé la totalité du gouvernement, là on l'aurait compris. Mais le fait par le Sénat de la République, là, interpeller uniquement le premier ministre et deux ministres, c'est comme si on était présagé que tu n'as pas le vote de censure qui t'a pas le pour deux ministres qui t'accompagnent ici, mais tu n'as pas le bail un vote de confiance qui t'a pas le fait que dans les six prochains mois, c'est un tap intouchable parce que c'est la constitution de bouquet de passé, non c'est en cette population, ou que 6 mois par camion. Ce qui s'est passé, chambre députée a, dans 6 mois caduc, mandat a fini. Maintenant, nous avons l'électoral, supposé qu'il y a élection en octobre 2019. Bon, que nous connaissons cap difficile pour le fait, compte tenu des situations. Donc, imagine-toi que on chambre députée n'a pas existé, on l'autre tiers dans le Sénat n'a pas existé, avec un tiers et pas de chambre députée, donc où est-ce qu'on peut ministre tout puissant? Donc, l'autre groupe, monsieur, les Kedler Jean-Baptiste, les Willow Joseph, comprendre, les Ronny Céleste, un paquet l'autre monsieur, qui pas d'accord, pas d'aller dans la logique, ça, mais pas d'accord avec l'homme. Mais maintenant, entre Sénat de la République, là, qui convoque Jean-Rissé, et Chambre des députés, qui dit que eux-mêmes, c'est parce que Jean-Rissé, comme premier ministre, pas le résultat, est-ce que ni au niveau du Sénat de la République, ni au niveau de la Chambre des députés, qui c'est deux branches de parlement, parce que là, les législatifs là sont un parlement bicaméral, est-ce que vous avez tapé des fonds d'affaires pays? N'après pas une question ça, après pour cela, pas de place. Oh, 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 oh. Ah, yeah, yeah. Si vous voulez vraiment la vie, on l'autre façon. Si vous arrivez à couler la vie sous l'horizon. Tout partout dans le monde danser nous l'ouvrez. Que soit information, que les sens alliés. Branchez, vous gardez. Au fil des pages. Branchez, vous gardez. Oh, 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 oh. Branchez, vous gardez. Au fil des pages. Branchez, vous gardez. Aïe, aïe, aïe. Information pour filio, c'est bagarre récent. Sauti confirmé le profil des pages jouvant. Que soit information, quel que soit sa lié. Branchez pour garder profil des pages. Branchez pour garder profil des pages. Branchez pour garder profil des pages. Branchez pour garder. Oh, yo, yo, yo. Masli Jérôme, que vous besoin mon information, bon service yo. Merci à tous les amis qui ont supporté depuis longtemps, qui reconnaissent talent, mais qui m'ont rempli le respect, respect, respect. Aïe aïe aïe, Masrouti, branchez pour garder au fil des pages. Branchez pour garder. Aïe aïe aïe, branchez. Pour garder profil des pages,
branché pour garder Profil des pages. Andy Mastrotti, depuis que je suis net là, son seul émission me garder. Profil des pages. Aïe. Alors, pas oublier, nous retournons à suivre Profil des pages et qui passe chaque vendredi, midi, Channel 20. Optimum que vous vivez, nous-mêmes, nous vivons dans la carrière, chaque vendredi midi, branché. Profil des pages, vous pouvez aller sur la page YouTube, nous tous. Ou à une émission toujours postée, Profil des pages, ou aller sur YouTube. Et puis, cliquez sur la cloche là, cap toujours notifier chaque fois qu'il y a une nouvelle émission qui sort. Et ou même, tout qui aime Facebook, ou montez sur la page Profil des pages, ou mon camarade montez sur la page Producteur, nous, Maslin Jérôme, ou mon camarade montez sur la page PAM, Mangla Jérôme, ou à une et toutes les dernières émissions qui postées. Maintenant, c'est qui ça? Histoire là et comme question avant poser de poser entre le Sénat de la République et la Chambre des députés qui ça va gagner en fait c'est on course contre la montre si dans niveau Sénat séance en fait il y a un temps par premier ministre on vote de confiance c'est-à-dire les carottes sont cuites il pas même besoin de passer dans la Chambre des députés encore et bien premier ministre bénéficie de 6 mois que pas grand qu'un dans deux chambres qui a interpellé encore. Et maintenant, puisque dans le niveau président de la République, là, au niveau de la présidence, il y a quelqu'un qui est séant comme un traître, parce que ça qu'a dit dans le niveau président, c'est que séant trahi, séant a injecté l'argent pour jeter Jovenel Moïse. C'est ça qu'a dit dans le niveau président de la République. Parce que pas oublier, dès qu'on parle de pouvoir, on a parlé de eh bien, jeu d'intérêt, on a parlé de monde qui a essayé, ou dans qui mesure qui a influencé le pouvoir. C'est comme quand on a dit son jeu, son véritable jeu de kidnapping, comme on a fait. Et off record n'a pas parlé avec les producteurs nous la Massin Jérôme on est qui toujours regarder ça qui a passé dans le pays là. Maintenant si chambre des députés a connait il était qu'un bas espace pour Sénat de la République là qui est un bas on vote de confiance à Jean Risséan et mais pas gagné au tap qu'a fait et bien il passé devant puisque il passé devant et d'ailleurs Gary Baudot je pense que entre Calmu à Cantab président du Sénat et Gary Baudot, président de la Chambre des députés, moi je pense que Gary Baudot a été plus astucieux, plus fin. Parce que lui, il aura compris que limiter de voir le propre, mais groupe sénateur qui a couru, c'est un gars qui a 18 sénateurs qui a là, dont 16 a voté pour lui, et bien monsieur, ça n'a pas de cacher mes paroles. Parce que lui-même rapporté qu'à un certain moment, la durée, Ronnie Célestin qui était là pour te faire courir maintenant, quand déplacé, ni président Cantab, ni ou la tortue, ni Seyen qui c'est premier ministre interpellateur là qui est interpellé eh ben qui s'est passé il a couru à contre Ronnie Célestin pour dire tant pris rete Ronnie Célestin allé maintenant qui s'est passé c'est que chambre députée a gain raison un équipe qui voulait faire jouer le président de la République là il pas présenté pour Baïkoum et parallèlement on en chambre députée non seulement 70 députés signateurs de l'interpellation étaient présents mais ont été gagné dans le SA, environ 105 députés présents. Dans 105 ans, 93 votés contre Séan, 3 fait abstention, fait 96, 6 votés et contre, et puis il y a 3 lots. 6 votés contre, et puis il y a 3 lots qui fait abstention, plus il y a 3 lots députés qui sont députés de Maïti, qui sont dans le parti politique de Séan, qui ont quitté ça là pour participer dans un même vote là, selon. Qui tel Jean-Philippe qui s'est député et Jacques Mellac t'a parlé non qui t'a parlé dans la presse qui t'a pas information. Maintenant qui ça vient passer? Nous t'a supposé que il y a des monde qui t'a dit bon c'est de bonne foi, c'est etc. Maintenant l'une d'un grand tort que ancien premier ministre c'est que lui montrer République là il était trop accroché à son poste de premier ministre parce que il pas besoin de faire tout ça. Il pouvait quand même éviter la République de tout ça pour aller dans le référé, pour aller porter plainte dans le Conseil des comptes. Mais pas oublier qu'on son premier ministre ou son collaborateur du président de la République. C'est comme si Maslin Jérôme, qui c'est 11 ans, mon frère, t'a arrêté là, il dit mon Maslin président, il est comme premier ministre. Mais si il est c'est parce que le confesse est placé dans moi. Dès que Maslin n'est pas un confesse dans moi, on pas qu'à collaborer. Qui j'aime pas l'exiger pour qu'un même beaucoup de Maslin, si Maslin, qui c'est le président, c'est lui qui a besoin pour m'aider à l'appliquer en politique par rapport à ça, pour mettre comme président de la République, et m'a pas qu'à faire. Pas qu'il confesse encore. Rete pour me faire qui ça? Rete pour faire rien. Maintenant, question que je me pose avant, pose là. Est-ce que dans tout ça, dans l'action Sénat de la République, là, ou bien dans l'action Chambre députée, c'est bagarre qui a réglé pour Haïti? Non, détrompez-vous. Pas qu'il y a rien d'Haïti qui a réglé là. Dans le Sénat de la République, là, gen moun ki nan opposition yo sénateur d'opposition yo ki mari sosisyon quelque part avec Jean Issa qui au nom de question besoin poser sur
cette mercenaire. Oui, c'est évident, nous besoin ça. OK? Mais maintenant, monsieur montrait tout qu'il était trois, comme si voulait soutenir ces gens. Bon, l'autre jour, de Raphaël. Mais dans le niveau de chambre de député, tu pas oublier mes amis, nous sommes en électoral. Qui sont pensés députés aujourd'hui? Ils sont assez intelligents, pas oublier. Ils ont toujours parlé leur dos que le Parlement est une institution éminemment politique. C'est ça, ils ont toujours dit. Ils ont dit, moi-même, là, en bas, ni sénateur ni député. Quand on pose une question, l'autre dit, mais pourquoi ça nous a fait ça autrement et pas comme ça nous fait? Ni sénateur ni député, ils ont dit, moi-même, en bas, et politique, en fait, le Parlement, son assemblée politique. C'est ça, ils ont dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la logique de tout ça? Mais soyez-moi dit, Haïti n'a rien dans ce qu'a fait là. C'est clair. Pas intérêt Haïti qui a défendu là, c'est un intérêt particulier, intérêt chaque monde, chaque groupe, selon ça bon pour eux. Pas Haïti n'a rien qu'a fait là. Ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés. Pas Haïti nous maintenant ça, même, nous clair. Depuis ce profil là, pas de défendre comme ça. Pas rien à faire Haïti qui a pris dans ce qu'a fait là. Maintenant, au niveau de la Chambre des députés, qui ça député dit? Ils sont assez intelligents. Ils ont rendu compte qu'ils ont allé à l'électoral parce que toute chambre débutée après le mandat après le fini. Ils ont besoin de l'argent pour aller à l'élection. Ils ont connu que gagner un désaccord entre le président de la République et le premier ministre Jean-Ricéen. Ils ont connu que c'est un peu capable de passer à l'autre pour débloquer l'argent pour eux. Et mais qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dit bon, tête, si vous êtes CR, comme étant donné le nouveau gouvernement, c'est devant vous pour venir passer, laissez-le pour vous voter, vous avez négocié. Laisse après au bail nouveau gouvernement vote yo a faut yo ka négocier c'est à ce moment qu'a demandé pour bail tel poste bail tel ministre bail tel ceci bail tel cela c'est de ça qu'il s'agit. Yo na en électoral en octobre tadoué je dis bien tadoué gagne élection octobre 2019 yo connaît que si yo camp kembe même et premier ministre ça que président de la république n'a pas fait confiance yo connaît que pas oublier le gouvernement laisse en rejoindre et gouvernement monter gouvernement qui t'a monté déjà. Là, Jean-Ricéen Jeunny, le gouvernement est monté déjà, il est monté déjà. 21 ministres, 4 secrétaires d'État. C'est un grand monde. Il y a des bails, Jean-Ricéen Mété. Secrétaire d'État à la communication, qui c'est Eddie Jackson Alexis. En y'en con. Seul ça, c'est comme premier ministre Mété. Un grand, Eddie Jackson Alexis. Dites-vous bien, sous son premier ministre, sous son gouvernement monté déjà, qui pour la plupart c'est Michel Matélique Météo, c'est Jovenel Moïse, c'est qui PHTK. Mais qui sont des cafés dans tout ça? Mais c'est quand même. Équipe CEO, quand même. Qui ça me pense qu'il a fait dans une situation comme ça? Et le pire dans tout ça, pour me corroborer ça, m'a dit nous. Hein. Et le CEO finalement décide de remettre démission, ce n'est pas lui qui voulait, non? C'est parce que pendant que Jean-Ricéen a combattu à porter plainte, le président Jovenel Moïse, le chef député a écrit une lettre à la présidence pour dire que à 93 votes contre CEO, 6 votes pour CEO, 3 abstentions, mais le premier ministre est tombé. Le président de la République a été répondu avec. Et pas de vitesse, non? Là où il y a un pays qui a réglé. J'aime bien vitesse, ça. Pour me dire ça. On dit, chambre de député, depuis l'année législative a commencé, il n'y a pas de séance. Mais bizarrement, 102 députés étaient présents, je vous vote là. J'aime bien séance, non? Depuis l'année législative a commencé. Mais bizarrement, 102 députés étaient présents pour être votés. Le président qui a répondu, fouche, et même prendre note de ça, je vais commencer la consultation. Laissez en porter plainte, et mes premiers en République là, sortis ont arrêté pour dire qu'il a fait choix du ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin, comme premier ministre AI. Eh bien, c'est un, rendu compte de ça, il est sorti de démission là. Il n'a pas dit le démissionner parce qu'il te voulait, il dit parce qu'il te voulait, dans un journal officiel pays, le Moniteur, que le président de la République là, nommé un premier ministre AI, donc pour permettre que favoriser peine en pays, il démissionner. Mais nous devons éviter de payer à tout ça. Mais ce qui est drôle dans ce bagage là, c'est que ni dans le discours, parce que le président de la République a tellement fait en vitesse, le président Jovenel qui est installé, fait investiture, et Jean-Michel Lapin, m'a gardé ni dans le discours du président de la République, Jovenel Moïse, ni dans le discours Jean-Michel Lapin, pas de yon là. Parce que généralement, lorsque ouais, un ministre remplace l'autre, ou un premier ministre remplace l'autre, il y a toujours d'où, il font tirer à aller sur le ministre qui sorti, puis il y a merci pour la collaboration, pour les services rendus à la République. Pas de yon nan de ak même mentionné Jean-Ricéen. C'est comme si un monde qui n'a jamais existé. Moi, je vais éviter de nous regarder encore parce que c'est profil de page que nous regardons, il faut essayer de comprendre. Je vais aider nous comprendre ce qui passe. Pas de yon nan de ak même mentionné le nom de Jean-Ricéen. Mais pas oublier, article constitution qui baille droit pour mettre le premier ministre à yon, il parle de 30 jours. Il baille président droit
pour monter un premier ministre AI pendant 30 jours en attendant que vous mettez un nouveau gouvernement sous place. Et bien, ni dans le discours président, le président dit, bon, Jean-Marie Lapin, ou venez dans un contexte difficile, nous pourrons mettre à la disposition des ressources pour faire travail là. Jean-Marie Lapin lui-même pour le répondre, Jean-Michel Lapin lui-même pour le répondre, président de la République, merci pour confiance au métier en moi. Je vous garantis que je vais travailler pour nous travailler dans le secteur santé, dans le secteur société. Mais ce n'est pas ça que la Constitution dit. Vous mettez un premier ministre AI en attendant de mettre un gouvernement. Mais Jean-Michel Lapin, et Jean-Michel Lapin tellement allé vite en besoin, lui-même dans le discours là fait connaît que, eh bien, nous là pour 3 ans. Après 3 ans, l'équipe va l'embrasser. Est-ce que ça veut dire que c'est qu'on est, le premier ministre, il y a qu'on est que Jovenel Moïse n'a pas eu l'intention de mettre le premier ministre, c'est qu'il a fait pour 3 ans? Ça, on ne le sait pas. Mais quand même, m'invite à le retendre. Ni discours président de la République, là, ni pas Jean-Marie Lapin, pas de quel côté, dans l'article constitution qui m'a demandé au premier ministre AI, qui vous remplacer pour 30 jours. 30 jours, équivalent de mois. Donc, je ne comprends pas le premier ministre qui n'a pas intérim. Pour pral dire que dans 30 jours, le premier président promet de mettre sous sa disposition. Le premier ministre, il a même parlé que pour attaquer problème d'insécurité, problème de santé, etc. Mais où sont le premier ministre en attendant de mettre au gouvernement, ou pas là pour prendre une action? Et Mdou lui même annoncé que dans 3 ans, il y a l'autre équipe. Est-ce que son rencontre qu'on est que pas le premier ministre? Ça reste à voir son question. Pendant, son question qui était là, fanatique nous connaissons fan profil de page, nous très intelligents, nous avons pris ta question ça. Mais pendant tout ça, il faut dire que FMI, qui te promet le gouvernement 229 millions de dollars, eh bien, jodi a annoncé par le biais du directeur de communication, M. Jerry White, eh bien, il a campé sous aide de le gouvernement haïtien en attendant qu'il gagne un gouvernement officiel. Il n'y a pas le travail avec un premier ministre AI. Il y a tant que le gouvernement formellement établi que le nouveau gouvernement soit installé, à ce moment, il a débloqué au gel les fonds. Donc, comme moi dis, nous, peut-être, le monde n'a pas pouvoir, je suis certain que l'équipe pouvoir, nous avons célébré, nous sommes contents parce que nous faisons beaucoup. Parce que nous mettons en dehors, nous voyons dehors de la de fort mauvaise manière parce que nous avons gardé l'image dans le palais national. Pas qu'un ministre qui sympathise à ça. Monsieur a pris content. C'est comme si nous avons dit, c'est embarrassé. Pas qu'on qui même gon retenu pour ta senti que quelque part tête primature la tombé ou senti gon monde qui débaraille ou senti que ils se sont débarrassés de ça. Nous croyons son victoire mais entendre l'avenir dira le reste. Est-ce que son victoire politique la grand pile réserve la donne. Nous va prendre dernière pause nous n'a pas retourné. Oh 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 oh. Ah yeah yeah. Ouais vraiment la vie en l'autre façon. Sous ta rime ouais couler la vie sous l'horizon. T'en es tout partout dans le monde danser nous l'ouvrir. Que soit information, qu'elle les soit alliés. Branchez vous gardez au fil des pages. Branchez vous gardez. Oh 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 oh. Branchez vous gardez au fil des pages. Branchez vous gardez. Aïe aïe aïe. Information profil yo c'est bagaille récent. Passo ti confirmer le profil des pages jouvant. Que soit information, quel que soit sa lié. Branchez pour garder profil des pages. Branchez pour garder profil des pages. Branchez pour garder profil des pages. Branchez. Gardez, oh yo yo yo. Masli Jérôme, que vous besoin mon information, bon service yo. Merci à tous amis qui ont supporté depuis longtemps, qui reconnaissent talent, mais qui m'ont rempli le respect, respect, respect. Aïe aïe aïe, Masrouti, branchez pour garder, au fil des pages, branchez pour garder. Aïe aïe aïe, branché pour garder, profil des pages, branché pour garder, profil des pages. On dit ma sorti, depuis que je suis net là, son seul émission me garder, profil des pages, aïe.
Eh bien, nous avons déjà eu une droite émission, profil des pages, après appelé toute fanio. Émission ça, profil des pages, vous avez besoin chaque vendredi midi. Pour mon dire optimum que vous avez besoin chaque vendredi midi, vous avez besoin de vous. Vous sur YouTube, dans la page profil des pages. De vous monter sur YouTube, pas oublier, cliquez sur cette cloche là, son abonnement, les chaque nouvelle émission, la bonne notification pour vous dire une nouvelle émission. Et vous avez tout sur Facebook, profil des pages. Chaque lego émission qu'on regarde. Et puis sous page Marcelin Jérôme qui se produit ce show ça. Et puis Anglade Jérôme qui se présentateur. Et bien, émission aujourd'hui rend possible grâce à un gros monsieur qui est dans le domaine taxe ici à la Cour New York, qui c'est monsieur Frank Bonhomme. Frank Bonhomme, son spécialiste, son étudiant pour ça. Ce n'est pas mon qui prend taxe à ça. N'importe problème ou te gen dans taxe ou soit côté fil taxe ou tant de ko jeune state ou pas jeune fédéral vin contre monsieur Frank Bonhomme ou te fil avec un petit monde yo doke oh mais ou te social petit monde dans fil en l'autre monde vin contre monsieur Frank Bonhomme smiley tax service pas gen problème ou gen pas résoudre et l'autre référent aux amis ou ap sorti l'argent dans poche ou pas oublier adresse ça c'est 23733 Jamaica Avenue dans Belle Rose rive là font coup de pied joindre Frank Bonhomme au carré tout dans 516 673 4677 avec Frank Bonhomme, Smiley Tax Service, problème ou réglé. C'est fin fait si taxou, et mes chita dans 2 semaines si tchotcho dans pocho. Avec Frank Bonhomme, pas gen gratte tête parce que spécialité, c'est ça lié même, question taxe. Pas oublier, c'est grâce à Frank Bonhomme que ou kap régler tout problème taxou. Eh bien, n'ap continue pour nous dire tout le monde merci parce que vous prêté nous attention, parce que vous tendez et j'en tape. Analyser situation pays. Maintenant, comme conclusion, je dis à la mission profil des pages. Qu'est-ce qu'on a dit? J'aime débuter à bail ancien premier ministre Jean Risséan, on vote de censure, 93 députés pour. Vous l'aller, 6 votés contre, 3 abstentions. Selon Gary Baudot, président chambre député, avec toute l'autre équipe, il faut reconnaître que c'est parce que le gouvernement n'a pas de résultat. Oui, nous d'accord. C'est pas de résultat, non? Nous d'accord. Ça nous est là, nous n'avons qu'un Gary Baudot, 100%. Gouvernement c'est un pas de résultat. Même gens, équipe gouvernement ça, toute équipe PHTK, pas de résultat. Pas un problème. Mais comme nous n'avons régime démocratique, eh bien, qui s'est passé? C'est jeu institution. Chaque institution a un rôle. Le Parlement a un rôle à travers deux branches. Si c'est Sénat qui prend décision, il tape OK. Chambre députée apprend li OK tout parce que c'est ça, même le jeu démocratique. C'est droit, on ne peut pas critiquer les chambres députées à passer le prendre décision ça. Parce que c'est Wall lui-même. Quand un gouvernement n'a pas de résultat pour sanctionner, il y a deux gens qui ont sanctionné, soit dans le cas d'interpellation, il y a un vote de confiance. Donc à ce moment-là, il y a un gouvernement. Ou bien il y a une motion de censure, ce qu'il fait, à 93 députés, il y a un vote de confiance. Mais maintenant, on pose peut-être une question. Tout téléspectateur profil des pages qui a regardé là. Et chambre député ça gagne 4 ans, pas gagne 4 ans là en septembre. Qui ça au bail comme résultat? Qui est-ce qui va sanctionner? Qui ça chambre député ça bail comme résultat? Qui est-ce qui va sanctionner? Qui ça parlement haïtien, qui ça sénat de la République bail comme résultat? Non voter loi pour améliorer conditions population, voter loi pour favoriser que population qui voter gon mieux être. Est-ce qu'il y a mieux être là? Non. Et qui est-ce qui va sanctionner ça? Ni sénat qui était érigé pour bailler un vote de confiance ou une motion de censure, ni chambre députée à lui-même qui est en bas de motion de censure, qui est-ce qui va. Mais messieurs, dames, parlementaires, nous, qui est-ce qui va sanctionner? Nous n'avons pas de qui est-ce qui va sanctionner nous. Parce que nous, là, comme institution, nous n'avons pas fait de travail, nous n'avons pas de résultat. Nous n'avons pas de qui est-ce qui va sanctionner nous. C'est la réponse à la population. Nous avons pour les gens qui vont voter, pour les gens qui vont pour nous voter. Si nous voter avec émotion, si nous avons mis le goût de faire nous voter. Parce que définitivement, le modèle que nous avons représenté, il va faire honneur avec 3 cas là devant. Je ne peux pas dire tout. Parce qu'il y a quand même qui détache du lot. Patrice Dumont, par exemple, dans le Sénat de la République, là, pour ne pas le nommer. Il y a des gens qui détache du lot. Il y a des gens dans la Chambre des députés, mais pas en pile. Mais à 98% dans 2 branches parlementaires, eh c'est des gens qui ne peuvent pas rien, 0 barré. Ils ne peuvent pas rien. Qui est ce monsieur, dame parlementaire, qui prend le bas nous, motion de censure par nous? Sous la table, nous dit tout le monde profil des pages, c'est ton plaisir avec nous, Anglade Jérôme qui était là à la présentation. Pas oublier l'émission, ça passe chaque vendredi sous Cable Vision, Channel 20, Optimum. Et puis, nous remercions, toujours été branchés. Nous saluons le producteur de Mastin Jérôme, qui est toujours là, monsieur dans la caméra. Il parle était bien là pour faire montage. Et puis, c'est le faire tout le monde, mon cher bravo.
pourquoi gagner un résultat en termes de moyens pour continuer, mais quoi me sauver. Quand on fait un bon bagage, là, prend le temps, mais on va arriver quand même. En quel bagage fait facile, je vais arriver vite. Moi, je crois dans le cheminement. Moi, je ne suis pas découragé, continuez ferme. Encore une fois, population, nous-mêmes, cap sur moi là, qui est-ce qui pourra sanctionner par Allemagne? Sous notre ça, dis-nous tout moi maintenant. À la prochaine.